Jérôme, dédicace que pour toi, pour finir de te convaincre. Voilà, là j'ai pris plutôt les bonnes bûches qui chalaient. Regarde, en bas il y a les deux grosses bûches de chêne. En haut, j'ai mis les trois bûches de résineux bien sec. C'est super aéré, regarde le trou, tu vois, ça c'est le son de la cheminée. J'ai mis que deux bûchettes allume-feu. Deux bûchettes allume-feu, il y a le cube. J'ai mis la petite bûchette qui prend feu. Le petit sac. Mais plus besoin de bourrer de papier journal. Plus besoin de bourrer de papier journal, de mettre le petit bois, de bourrer le papier journal, il démarre pas parce que t'as étouffé. T'as étouffé le feu, t'as mis trop de bois. Là. La petite bûchette, ça vaut pas le coup de s'en priver à 2,90 € le sac. Ça va faire prendre la petite branche de platane. Là, au pire, la bûchette, elle a déjà bien pris. Déjà, c'est ultra aéré. Il n'y a vraiment aucune fumée. Il n'y a pas à dire, c'est beaucoup mieux. Hein. Pas de fumée. Une fois que le platane va être bien consumé, ça va commencer à faire démarrer les trois bûches de pain. Et dessous, c'est le chêne qui va prendre. Voilà. Et j'en ai eu pour presque toute la nuit juste avec ça. Petit à petit, bon là, je vais couper la vidéo, je vais arranger les petites bûchettes, quoique je peux faire ça. Après, on est merde. V. Déjà, lui, il a pris. Allez, au pire, on pourrait mettre lui par-dessus. Non, il est bloqué. Mais bon, voilà, ça, quand ça va bien se consumer. Bon, je m'inquiète pas, il y a plus rien à toucher. Il y a plus rien à toucher. Pendant au moins 3-4 heures, c'est sûr, ça s'éteindra pas. Il n'y a pas de fumée. Et l'avantage, c'est que tu peux mettre directement tes grosses bûches, sans avoir peur d'éteindre en bas, quand il y a le papier journal, les bûches. Tu peux pas soutre le gros bois dessus, ça étouffe sur le feu. Là, je le vois, c'est j'allume en direct. Hein. Allez, voilà. Je pense que j'ai fini de te convaincre, mon poulet. Eh, je pourrais essayer de filmer un peu plus longtemps. Bon, allez, je filme un peu. Et celui qui veut couper, il coupe quand il veut. On voit bien comme ça irait là, hein. Il n'y a rien au milieu. Mais il y en a assez pour toute la nuit. Après, on peut toujours arranger de mettre lui là-bas. Je peux arranger là, il y a un peu de vigne. De mettre la vigne un peu plus dans l'islam. Ou j'aurais pu essayer de mettre. Voilà, mettre la petite bûchette dessous la vigne pour qu'elle prenne le feu, la vigne qui est derrière, mais on s'en fout, quoi, voilà. Alors, ça démarre tout seul. Il y a zéro fumée. On dit il n'y a pas de fumée sans feu, mais là, il n'y en a pas du tout. Ça respire. C'est vraiment génial. Si je veux envoyer, j'ai qu'à fermer la porte et faire un gros appel d'air. C'est déjà, hein, une flambée, c'est déjà tout cramé. Voilà, gros appel d'air, là, ça flambe encore plus, mais il n'y a même pas besoin. On voit que l'allume-feu, il se consomme encore, hein, c'est nickel ces allume-feu. Je pense que ça vaut le coup d'investir 10 euros dans l'année. Pour les petites bûchettes allume-feu et pour les bûchettes allume-feu et pour le cube, parce que déjà ça t'évite de brûler du papier journal plein d'encre et du coup ben, si tu te sers de ta cendre pour le jardin ou quoi, ben t'as une cendre sans encre, une cendre pure quoi, sans encre de là. Je m'inquiète pas lui, hein. Dans pas longtemps, il va se couper. Dans ces minutes, la grosse bûche, elle va démarrer.
Voilà, un peu le résigné pour démarrer, il est bien sec, il crépite pas. Je peux rien toucher jusqu'à 10 heures, quasiment. Allez, c'est bon, mais.